Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis François Payen et je vais être avec vous pendant 1h30 sur la chaîne YouTube Adobe France et sur behance.net/live/fr. Pour les gens qui sont du côté YouTube, et vous êtes quelques-uns, bienvenue, vous pouvez tout à fait nous suivre sur la partie Behance. Je vais vous mettre le lien, c'est dans le chat, ça s'appelle Behance. Les gens qui arriveront un peu plus tard, je vous ferai des rappels de temps en temps, je vous dirai venez nous rejoindre. Et en attendant, ben, sur Behance directement, il y a Delphine, Jamila, Joël, Lise qui sont avec nous et à qui je dis bonjour et je souhaite un bon début de session. Aujourd'hui donc je suis avec Jean Ledieu. Bonjour Jean. Hello. Bienvenue à toi, bienvenue donc sur notre session en attendant Motion Plus Design. Vous avez pu voir très rapidement la petite vidéo d'intro qui nous a été concoctée par l'équipe de Cook pour vous parler d'une semaine de live stream d'abord. Et cette semaine de live stream en fait, elle nous permet de rencontrer pas mal d'artistes. Donc on a reçu lundi matin Léa Margerie sur une session illustration, animation. Mardi c'était Ambre Collective, beaucoup de 3D et de compositing. Mercredi, Sarah Scialom sur toujours de l'illustration, beaucoup, pas mal de petits motions assez sympathiques. En bonus, comme vous le savez peut-être, sur la chaîne YouTube Adobe France et sur Behance, on est présent toutes les après-midi à 14h. Et lundi, Pauline recevait Ludwig Gobelin. Mardi, je vous ai fait une session couture et mode à l'intérieur d'Illustrator. Hier après-midi, j'étais avec Gwenolé Jaffredou de Gweno TV, qui nous a décomposé complètement son anime d'intro et c'était assez sympathique. Cet après-midi, 14h, Léa Chassagne, et demain, à 14h, ce sera au tour d'Élise Léonard avec Pauline. Voilà pour le petit résumé de la semaine. En attendant, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est autour de Motion Plus Design, qui va avoir lieu samedi, au théâtre du gymnase, avec l'équipe de Cook, avec énormément de beaux noms. On en voit passer quelques-uns derrière. Il y a Arkadje, il y a Maurice Franzen juste avant, il y aura Cédric Clapiche, Eric Brocherie, Fanny Rollo. Beaucoup de belles choses. J'ai pas les noms tous en tête et il faudrait que je garde les yeux sur l'écran pour vous lire tout ça. Mais ça va être fort sympathique, c'est samedi. Et cette fois-ci, j'arrive à vous faire gagner des places, parce que on a essayé lundi sans succès, on a essayé mardi avec beaucoup moins de succès, et finalement mercredi j'ai réussi à résoudre le tirage au sort, et donc on a réussi à distribuer, j'ai les contacts des gens qui ont gagné des places et qu'on retrouvera samedi. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Sur ce, ben je vais passer la main et la parole à mon invité du jour, Jean Ledieu, qui va pouvoir nous expliquer qui il est, ce qu'il fait, d'où il vient, et en commençant par une question un peu bateau, mais assez simple, en mots et sans images, comment est-ce que tu te définis ? Alors, je suis directeur artistique et motion designer. Je suis parti au Japon 4 ans après être diplômé, c'était en 2005. Et je suis revenu à Paris en 2010, voilà, où je fais essentiellement du motion design, de l'animation 3D, pour les marques, et récemment je travaille pour du documentaire télé. Cool, et ben écoute, c'est très bien tout ça. Je pense que ce qui peut être intéressant pour qu'on situe de manière maintenant un peu visuelle, c'est que je partage ton écran et peut-être une page, je sais pas si c'est une page publique, si c'est un Vimeo, si c'est un site, si c'est un Instagram, à toi de nous guider au bon endroit. Et je ferai tourner de toute façon tout à l'heure ton showreel quand on sera dessus. Vas-y, mets-nous tout ça en plein écran. Je pense que tu peux masquer ton onglet de mail, donc tout le monde se... Hop là. Ouais, ça fera du... Et puis la petite barre de raccourci, non? Je sais pas, tu l'aimes d'amour cette barre de... Ah, je l'aime beaucoup. Alors on la laisse. Ok, donc là on est chez toi, on est sur mon site internet en fait, site. Ouais. Cool. Ouais. Alors vas-y, dis-nous en plus, voilà. parce que est-ce que c'est toi le graveur qu'on voit à l'œuvre? Alors pas du tout. Ça en fait c'était un documentaire pour les damnés, donc les damnés de la Commune, qui était sur la Révolution de Paris de 1870, et on a utilisé des gravures d'époque. Je vais le remettre dessus. Voilà. En fait, à la base, c'est une série de bandes dessinées de Raphaël Messan et qui a voulu faire, qui a utilisé des gravures de l'époque. C'était ça l'idée de départ, donc des gravures prises dans des journaux d'époque, dans des livres de l'époque, des journaux d'actualité. Et ensuite, il a voulu en faire un long métrage en réutilisant toujours ces matières. Ces matériaux, voilà. Donc c'était une prod qui a duré 3 mois. Il y a 90 minutes de film. On était 7 à travailler dessus. D'ailleurs, parce que le film a été diffusé sur Arte, ça devait être il y a 3-4 mois de ça. Et il était en replay, mais maintenant il n'y est plus. C'était pour les 150 ans de la Commune. Mais là, il va être diffusé à la mairie du 20e, je crois, ou dans un cinéma. Enfin, c'est dans le 20e, dimanche, ce dimanche, à 20h, je crois. Donc ça fait une heure et demie d'histoire, une heure et demie de. C'est ça. De belles images, en tout cas, c'est cool. Je suis en train de diffuser derrière, en arrière-plan, le générique, d'intro, où on voit du coup tout le travail sur l'animation, les différents plans, les flammes, la fumée. Ça représente combien de temps de travail, tout ça? Tout ce plan-là, je dirais à peu près 2 semaines avec les retours. Ça, c'était... il y avait un petit challenge là-dessus parce que voilà, il fallait... utiliser les gravures, pouvoir faire donc des fumées qui s'échappent du bâtiment, faire des animations donc sur After Effects assez sympa. On était parti dans l'idée que c'était animé comme si c'était en slow motion un peu, et donc voilà, en découpant les premiers plans, les arrière-plans avec des travelling de caméra, avoir un système de parallaxe. Les flammes, certaines flammes ont été animées à la main, donc avec des animateurs tradis. Ensuite, il y a des particules avec particulars pour les braises, voilà. Et puis après pour les fumées, c'est des petits tricks. Je pourrais montrer tout à l'heure sur After Effects un peu comment c'est fait. Avec plaisir. D'ailleurs, je vais faire un sondage dans les gens qui sont avec nous sur le chat. Est-ce que vous êtes motion designer, graphiste à plat, photographe ou autre? Décrivez-vous en quelques mots, surtout pour savoir si ça vous amuse qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, dans le cœur de l'animation tout à l'heure et dans les applications. Voilà, vous nous dites ça dans le chat. Je sais qu'on a toujours 30 secondes de délai, donc je m'inquiète pas trop sur vos réponses qui n'arrivent pas de manière immédiate. Et puis bonjour à ceux qui sont arrivés entre temps, Benjamin, Myriam, Loris, Lydia, Dominique et Alex, hello. Voilà, mais c'est vraiment un super projet. Si je reviens sur la page de ton site, y a plein de projets et de styles différents. C'est comment tu fonctionnes justement sur ça, parce que c'est varié. C'est assez varié, ouais. Après, quand on travaille dans le milieu du motion design, le gros point, c'est de capter le brief et de voir par rapport à ce que demande le client, de trouver un style qui soit adapté, de s'inspirer un petit peu de choses autour de soi, de digérer tout ça, et puis après de le retraduire par rapport au brief du client. Mais c'est vrai qu'on a... voilà, il y a des vidéos corpo, il y a du film beauté donc en full 3D, un peu d'After Effects et puis voilà les derniers documentaires qui sont faits sous After Effects aussi avec des gravures d'époque. Ouais, donc ça fait vraiment un chouette portfolio. Tiens, je vais peut-être diffuser ton reel en arrière-plan comme ça pendant que tu nous expliques un petit peu tout ça. Ça nous permettra de découvrir l'univers de Jean Ledieu. Ça fait un bail que tu fais ça, du coup. Ouais, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, à peu près. Et ce qui m'a étonné aussi sur le sur tes pages de présentation, tu mets Jean Ledieu, Paris, Tokyo. Exactement, oui. Parce que donc, comme je disais, donc, je suis sorti de Penningen en 2005 et j'avais envie de partir à l'étranger. Bon, il y en avait beaucoup qui partaient aux États-Unis, en Angleterre. Moi, j'étais parti 2 fois au Japon, donc c'est une destination qui me plaisait pas mal. Voilà, du coup, j'ai sauté le pas et je suis parti là-bas juste après mon diplôme. Donc j'ai fait au début un stage dans une petite boîte de pub qui s'appelait Coco Kumaru, où ils étaient 3. Il y avait l'illustratrice, le patron DA et puis un graphiste. Donc ça, voilà, c'était plutôt cool parce que c'était vraiment à échelle humaine. On n'était pas là pour servir les cafés, quoi. Et ensuite, j'ai travaillé dans une boîte d'événementiel. Et la dernière boîte en date au Japon, c'était Komaden, qui faisait du live visual. C'est là vraiment où j'ai travaillé à fond le motion design. Donc c'était, on avait ils habillaient en fait des scènes de concert. Il y avait les artistes qui jouaient et derrière eux, tu avais des écrans LED énormes qui balançaient en fait les compos after qu'on faisait. Donc on nous répartissait les chansons et puis à nous d'imaginer ce qu'on pouvait mettre dessus, un peu comme du VJing, quoi. Du VJing, mais en anticipé. C'est ça. Préparé, mis en place en avance. Exactement. Un des artistes que j'ai reçu ces 3 derniers jours, je me demande si c'était Sarah ou si c'était Ambre, avait travaillé justement sur ça, sur ce type de prod. Et on avait reparlé justement des boulots de Sébastien Hu sur les Indochines et autres, qui était avec une des grosses prods françaises là-dessus, dont j'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave. Et je commence à avoir les réponses des gens du public. On a des animateurs, motion design 2D, illustratrice qui fait bouger ses dessins, graphiste et motion designer 2D, motion designers, animatrice, VFX motion, et étudiante en post-prod plus animation du coup. Et pour les réponses à ma question de est-ce qu'on rentre dans les détails, on me dit oui, je suis VFX motion, donc oui, disséquez-nous tout ça. Et Lydia nous dit même super intéressée pour rentrer dans la technique. Donc on va essayer d'en donner un petit peu à chacun, et on va tout à l'heure on va regarder quelques projets. Je te laisse nous guider dans ton portfolio. Ouais, ok. Bah écoute, on peut. Est-ce qu'on continue un peu sur la commune ou on passe à quelque chose de plus personnel? Comme tu veux en fait. C'est, je sais pas si on le fait par voilà, par ordre chronologique, à ce projet-là. Ouais, il est très joli aussi. Raconte-nous un peu. On peut balancer ça. Ouais. Alors, l'idée... Attends, je vais couper le son, moi. Hop. Voilà. En fait, l'idée sur ce projet, c'était que je voulais refaire mon showreel à la base, parce que le dernier datait de 2014. Donc, voilà, souvent, les clients me contactaient, puis t'en avais qui me disaient « Oui, est-ce que t'as une démo, macin ?» Est-ce que tu as une démo qui a moins de 10 ans? Voilà. Je me suis dit, bon, il faut que je refasse le showreel. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire un enchaînement de nos meilleurs boulots avec une musique rythmée? J'avais envie de tenter un peu autre chose. Et je me suis dit, bah, parlons de la conception qu'a l'artiste, le motion designer, quand on reçoit le brief et quand il faut qu'on crée quelque chose. Et j'ai imaginé que c'était que notre imagination voyageait, voilà, dans des univers, une sorte de voyage, donc sur une carte semée d'embûches. Voilà, j'ai repris un peu des codes, soit des génériques de films, les cartes qu'on retrouve dans les jeux de rôle, parce que avant je faisais pas mal de jeux de rôle et tout. J'imaginais aussi des paysages, tu vois, la carte du Seigneur des Anneaux, ce genre de truc. Donc voilà, j'ai fait ce parcours dans un monde imaginaire en mettant des petits clins d'œil. À un moment, on voit 2 sphinx qui se font face. C'est un clin d'œil à l'histoire sans fin. Il y a un cratère aussi qui est un petit clin d'œil à l'intro d'Akira. Voilà. Et le nom des cartes, en fait, c'était des choses par rapport au boulot. Donc, genre, il y a au début le paysage de la page blanche. Voilà, on parcourt une ville en ruine. Ça, c'est le premier concept qu'on a donné au client. Et puis finalement, il a pas aimé, donc il a tout détruit. Les villes s'est fait atomiser. Et puis voilà, à la fin, on termine sur le projet final qui est symbolisé par une sorte de citadelle. On va jusqu'au bout. Et ensuite, on continue, si tu veux, ce parcours dans des paysages encore plus étranges pour montrer qu'on n'est pas obligé de s'arrêter là. On peut encore continuer dans la création et trouver toujours plus loin. Donc voilà, l'idée de base, c'était de montrer son savoir-faire de façon un peu amusante, un peu ludique, comme une sorte de générique, quoi. Bah écoute, super belle réalisation. Là, on l'a vu tourner une paire de fois pour que vous puissiez regarder, apprécier les détails. C'est assez fou, justement, tout ce mélange de techniques, beaucoup de 3D, beaucoup de 2D extrudé. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de, donc il y a essentiellement du cinéma 4D pour la 3D. J'avais utilisé le Sketch and Toon qui permet de faire des lignes en fait, comme si c'était crayonné, pour faire tout ce qui était les contours sur les cartes, les lignes de navigation. Après, beaucoup de compositing dans After, parce qu'il y avait des masques partout. Notamment, il y a un passage au-dessus de la mer où je voulais donner un côté un peu gravure sur les flots, mais il fallait que j'ai l'écume aussi, donc je faisais des masques sur certaines zones, rajouter des couleurs juste sur certains éléments. Pareil, ça a été fait dans After aussi avec pas mal de masques. Voilà, il y a un peu. Et puis après, post-prod dans After avec différents plugins, notamment un plugin qui s'appelle Fiche Truffe. Quelque chose comme ça, c'est pour faire un focus sur une zone en particulier. Et voilà, ça permet de gagner du temps sur les rendus, parce que faire un vrai rendu où voilà, tu veux focuser sur un élément, que le reste soit flou, tout de suite ça prend un temps fou. Et si c'est raté, il faut refaire un rendu. Là, voilà, on peut le faire directement dans After. Autre chose qui est pratique, c'est de pouvoir avec Cinema 4D exporter les caméras dans After Effects. Oui. Et on utilise, tu vois, je vais rajouter des éléments faits directement dans After, mais qui collent au mouvement de la caméra de la scène 3D. À un moment, par exemple, j'ai mis des rayons de soleil qui sont scannés d'une gravure de Gustave Doré, donc je réutilisais ces matériaux-là en 2D dans After en utilisant la caméra que j'avais importée. Voilà. Donc ouais, tout un travail sur les projections, sur l'ambiance aussi que tu arrives à donner à ça, ouais. Parce que là on est sur au moment où il y a des grandes vagues sous le pont et tout, c'est assez cool d'avoir ça. si tu veux glisser sur ton écran, sur les images, les still frames qui sont en dessous. On peut voir, ouais. Hop. Voilà, ça c'est... Ça, c'est la citadelle de la complétion, de la complétude, comment on dit en français, de la finalité. Voilà, il y a les matières derrière qui sont des nuages pris de gravure. Ça, c'était ce qui était drôle, c'est que c'était avant que je fasse la commune, et l'agence a montré ce film au réal, et tout de suite il a dit bah voilà, il va bosser avec nous. Comme quoi, le fait de faire un showreel qui est pas du tout une simple collection de tes boulots, ça marche bien. Ça marche aussi. Bon, après, j'ai aussi fait un showreel avec une collection des boulots, parce qu'on en a besoin aussi. Genre, mais si, j'ai travaillé pour des vrais clients et pas que pour me faire plaisir. Voilà, ça c'était des tests. Tu vois, la cité, au début, je pensais au magicien d'Oz. Alors je me disais, tiens, si tu la mets en vert, comme la cité d'Émeraude. Bon, ça marchait pas trop, donc elle est repassée en doré. D'autres textures beaucoup plus franches pour voir ce que ça donnait, avec un côté plus ancrage, plus illustration, différents tests de couleurs sur les éclairages. Ça c'est le paysage de fin. C'est inspiré d'un artiste polonais, Beksiński, qui fait des paysages très étranges. Voilà, j'ai modélisé ça sous ZBrush, et puis le moodboard de départ. Voilà, tout le côté cartographie, la carte du Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Voilà. Pas mal du tout, pas mal du tout. Et Beksiński qui est mort en 2005. J'étais en train de chercher un Instagram, il a passé. Et bon. Ah non, par contre, il y a peut-être, parce qu'il y avait un autre artiste que je m'étais inspiré qui s'appelle Russ Nicholson, qui fait des illustres en noir et blanc assez médiéval fantastique. Je crois que lui, il a un site. Et, voilà, c'était pour retrouver le côté un peu illustration noir et blanc, matière, ce genre de choses. Je sais pas, c'est fou. Et tiens, justement, je te vois fouiller dans ton disque. Toi, tu te mets des références. Oui, voilà. Voilà, ça, c'est les moodboards qu'on a vus. Ça, c'était les recherches d'images sur les cartes, sur les symboles aussi que je pouvais faire apparaître. Ce genre de choses. Ça, c'était des refs pour la tour. Des refs d'illustration. Ça, c'est Seigneur des Anneaux, notamment. Des refs de matière aussi. Tu vois, tout ce qui est les marbres, les choses comme ça. Les couleurs. Bah, toi, il y a toujours un gros boulot derrière de recherche. Voilà le cratère. Ça, c'était des rêves dans Akira. Effectivement, ouais, ça me parle beaucoup. Je pense que ça parle aussi au public. Il y a Hugo qui nous dit, j'ai une question, est-ce que c'est une grande carte sur laquelle tu as ajouté une caméra pour chaque plan, ou est-ce que c'est plein de petits îlots que tu n'aurais pas reliés C'est plus ça, ouais. En fait, chaque plan est une scène à part, et du coup, à chaque cut, en fait, je relance une autre scène. Ça aurait été trop compliqué, trop gourmand, je pense, de faire une immense carte. Puis il aurait fallu vraiment la réfléchir en amont, en plus. Tu vois, j'ai utilisé en fait des élévations. Voilà, non, c'est pas ça. C'était beaucoup de choses en nuage. Tu vois, en cherchant des vues satellites, c'est pas celui-là. Voilà. Ou tu vois, après, je fais ma texture avec ça, et puis ça, du coup, le relief se fait de lui-même à partir de ce genre de texture, quoi. Tu vois, ça, c'est par exemple, c'est le cratère. C'est marrant que tu aies des reliefs aussi différents sur le cratère, parce que on a du noir, du gris sur les deux faces. Il a pas explosé de la même manière, en fait. Après, j'ai essayé plusieurs choses. Voilà un autre bump qui est plus proche. Ouais, c'est ouf, en fait, la manière dont on génère de la 3D à partir de la 2D. Bah oui, en fait, si tu veux, il traduit le volume. Plus c'est noir, plus on est enfoncé, et plus c'est blanc, plus on est surélevé, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait toutes les élévations. Ça, c'est des matières. Ouais, les textures sont assez grosses. Joël qui nous dit, mais comment est-ce que tu as fait la bande-son? Est-ce que c'est ta voix? Quelle est la musique? Alors, la musique, ça a été fait par un sound designer qui s'appelle Louis Bouloche. Je crois que son site, c'est audiosphérique.com, je crois. La voix, c'est fait par un comédien qui s'appelle Chris Mack. Donc, j'avais son contact et... j'ai pu le faire enregistrer. Et la bande son, oui, c'est un sound designer qui fait d'autres musiques de certains de mes boulots, qui fait pas mal de bande son pour tout ce qui est motion design. Donc c'est vraiment quelque chose en plus, parce que voilà, quand il y a toujours la possibilité de télécharger une musique qui nous plaît, mais je trouve que c'est quand même plus fort quand tu as vraiment une musique dédiée, parce que le sound designer, il va vraiment se caler chercher vraiment ce que tu veux dire, les sentiments que tu veux faire passer, et puis se caler sur sur le rythme de la vidéo, quoi. Carrément, carrément. Bah, j'ai mis le lien d'Audiosphérique pour ceux qui sont intéressés. Je pense que ce sera une bonne chose. C'est vrai qu'on est toujours un peu embarrassé, hein, pour ceux qui s'inquiètent, pourquoi il n'y a pas de musique alors qu'on fait du motion design. C'est juste pour pas être striké par YouTube. On vous aime bien, mais on aime beaucoup les sound designers, mais c'est beaucoup de travail. Benjamin trouve que la musique fait beaucoup penser à Hans Zimmer pour la BO d'Interstellar. Ah bah c'est une des références, oui. Il y avait aussi un clavecin aussi à un moment, j'aimais bien un orgue surtout, j'aimais bien ce côté, parce que l'orgue ça donne un peu une dimension un peu tu vois, grandiloquente, un peu sacrée, donc je trouvais ça plutôt cool. Bah tiens, Audiosphérique Sound Design est avec nous sur, sur Behance, tu vois. Là. Et il dit bonjour, il fait des coucous. Comme quoi on est en bonne compagnie. Et ouais, pour ceux qui essayent de comprendre pourquoi on est à moitié sur YouTube, à moitié sur Behance, YouTube c'est un peu la plateforme technique, et sur Behance le gros avantage c'est que quand on est intrigué de savoir qui sont les gens qui sont dans le chat, il suffit de cliquer sur leur petite icône et puis vous pouvez voir leur portfolio et pourquoi pas nouer des contacts par la suite. C'est super tout ça. Alors après, où est-ce que tout nous emmène? Tiens, Rémi nous dit, les textures ont-elles été réalisées par toi ou pas sur une banque de ressources, puis modifiées dans Photoshop? Alors, il y a un peu des deux. Tu vois, pour tout ce qui était métal, chrome, ce genre de choses, c'était une banque de textures. Après, tout ce qui a été marbre, ça, je les ai pris en fait sur des textures, sur des photos de châteaux, ce genre de choses. Donc voilà, il y a à la fois des banques de textures et puis certaines textures que j'ai réalisées moi-même après que j'ai bidouillé un peu les deux. Voilà. Et après, il y a des éléments en plus, tu vois là, les nuages par exemple. Bon, moi, ça c'est pris de gravure. De Gustave Doré, voilà par exemple, que j'ai scanné, et ensuite je redécoupe les nuages que je veux et je les mets dans un calque 3D dans After, d'où l'utilité d'avoir une caméra importée de Cinema 4D, et du coup je mets mes calques 3D dans After et ils sont complètement calés sur le mouvement de caméra, quoi. Pareil, à un moment, il y a des rayons de lumière, voilà, je les ai découpés d'ici, parce que je voulais garder ce côté strié qui est particulier à la gravure, et pas faire un vrai rayon de lumière que j'aurais fait en 3D avec une lumière, quoi. Ouais, parce que du coup, une des problématiques que je vois quand tu parles de gravure, c'est de gérer le moiré. Oui. Sur les distances, parce que c'est ça. Alors sur ici sur ce film-là, moi j'ai pas eu trop de problèmes parce que tu vois le côté gravure, les stries ici, donc ça a été fait avec Sketch and Toon. Donc voilà, c'est moi qui gérais les stries. Mais sur la commune, effectivement, il y avait du moirage. Et le trick, c'était de flouter les plans, genre de mettre un léger blur à 0,1. 0,2, ouais, et comme après c'était diffusé à la télé, il y a toujours une résolution un peu moins précise qu'un écran PC, et c'est ce qui nous a permis d'éviter le moirage, parce qu'au début, oui, on a eu des surprises, les premiers tests, quand on a vu sur la télé, on s'est dit « Ah là, ça va pas du tout ». Ouais, le choix entre les MIP, SAT et autres, savoir comment ça moire plus ou moins avec la distance, c'est… C'est ça. Et puis on pouvait pas non plus, tu vois, moi voilà, sur ce film, je fais le focus sur les éléments, je floute derrière, mais le réal sur la commune, lui ne voulait aucun flou, comme pour lui la gravure c'est du dessin, et tout ce qui est flou ça vient de la technique de la photo. C'était pas de flou, pas de blur, et si on veut mettre un élément en avant, il faut que le trait soit plus épais, et si on veut mettre un élément plus loin, il faut affiner le trait. Donc on n'avait pas on pouvait pas flouter certains backgrounds si ça moirait trop. il fallait que tout soit net. Donc voilà, on mettait juste 0,1 point de flou et voilà, on a supprimé le moirage comme ça. C'est ça, sauver la technique mais respecter l'esprit de l'œuvre originale. Bravo. C'est ça, c'est ça. Il y a Elka qui nous dit, je ne sais pas si ça a été dit, mais ça a pris combien de temps à faire tout ce projet? Alors ce projet-là, bah, comme c'était un projet personnel, je travaillais en même temps à côté, parce qu'en tout et pour tout, ça m'a pris 4 mois à peu près. Après, si j'aurais été en full time là-dessus, peut-être qu'en 2 mois, ça aurait été faisable, un ou deux mois peut-être. Après, voilà, il y avait la recherche de conception aussi avant de commencer. C'est vrai qu'on a toujours tendance à, quand on a un projet personnel, souvent on a envie de le voir vivre tout de suite. Donc on écrit un truc sur un coin de table, on dit ah ça va être génial, et puis tac, on se lance sur After, on commence direct. Et puis en fait, je pense pas que ça soit la bonne technique. Il faut vraiment faire mûrir l'idée, faire son travail de recherche, digérer tout ça, faire son storyboard et voilà. Ensuite, on passe à l'exécution. Je pense que la partie conception doit prendre quand même beaucoup de place, ouais, pour que le projet soit plus fort, plus solide derrière. Ouais, parce que là après le truc c'est que si on fait de la technique tout le temps, on passe plus pour un technicien que pour un concepteur, un directeur artistique, et c'est vrai qu'en motion design on a un peu les deux casquettes. On est on fait à la fois la conception mais à la fois la technique aussi. Oui, parce que c'est vrai que le style des images au final, c'est quand même ce qui vend le projet. Le rythme est important, l'histoire sera importante aussi, mais si t'as juste une histoire et pas de rendu derrière, c'est moins simple de faire adhérer l'auditeur final. Alors, Rémi nous dit, c'est très intéressant pour le calque 3D de After avec la caméra importée de ces 4D, merci. Guillaume me dit, mélange de 3D, 2D, j'adore, c'est du taf de ouf, chapeau. Et j'ai une question de Hugo. Comment Monsieur Ledieu a-t-il appris ces 4D? Lui, il apprend en autodidacte, il arrive à un point où il ne sait plus trop sur quoi se concentrer. Des ressources, des formations à conseiller moi, j'ai appris aussi sur le tas, parce que quand j'étais à l'école, on apprenait un peu la 3D, mais c'était sur un logiciel que je crois plus personne connaît, qui s'appelait Carrara. Voilà, donc c'était vraiment un truc ultra basique. Et mais on faisait beaucoup plus d'After Effects. Et quand je suis parti au Japon, une de mes premières demandes, c'était de faire de la 3D. C'était pour Shuemura, donc une boîte de beauté qui a été rachetée par L'Oréal, qui voulait me faire de la 3D. Moi, je touchais pas du tout en 3D. Mais du coup, bah, j'y étais au culot. J'ai dit, bah ouais, c'est bon, je le fais. Je le fais. Et j'ai tout de suite contacté un pote, Vincent Buy, donc, qui est lui 3Diste, et qui travaillait sur 3DS Max. Et voilà, donc j'ai commencé un peu comme ça. Il me donnait des petits conseils. Et après, bah, voilà, quand j'ai commencé à bosser en fait beaucoup sur 3DS. Mais c'était quand même l'usine à gaz. Il y avait beaucoup de fonctionnalités. Et quand j'ai travaillé dans une boîte d'événementiel donc au Japon, eux, ils étaient tous sur Cinema 4D, qui démarrait. Et tout le monde disait, ah, mais c'est génial, Cinema 4D, c'est beaucoup plus intuitif et tout. Et voilà, j'ai basculé là-dessus. Et après, j'étais beaucoup sur les tutos de Grayscale Gorilla. Où vraiment le blog commençait, quoi. Donc il y avait 2-3 trucs sur Cinema 4D, donc je regardais ça beaucoup, et puis je me suis aperçu qu'en fait ce logiciel dans la communauté des motion designers était vraiment assez présent en fait. C'était vraiment un peu le logiciel pour ceux qui font du motion et de la 3D un peu à côté, alors que ceux qui étaient full 3D à fond c'était plus 3DS ou Maya. Carrément, au niveau des rendus et tout ça, mais c'est vrai que l'intégration, alors moi je sais que depuis longtemps il y a l'intégration avec ces 4D, le fait de récupérer les différentes passes et de pouvoir finaliser tout ton compo dans After, c'était une des ressources clés, quoi. Et ouais, pour revenir sur la question, bah, je sais que maintenant Grayscale Gorilla ils font des formations, je crois qu'il y a un abonnement, donc pour pousser encore plus loin. Après, j'avais fait une formation ZBrush, mais ils font aussi du C4D qui s'appelle, je crois que la boîte s'appelle VFX quelque chose, faut que je retrouve le lien. Parce que tu sais, comme je suis à la maison des artistes, on a droit tous les ans à avoir des formations qui sont financées. D'accord, ouais. Donc ça, c'est un truc à savoir, c'est plutôt cool. Tu fais t'as une formation qui t'intéresse, tu fais une demande et voilà, tu l'as fait, on te la finance. Et, ouais, il faut que je retrouve le lien, c'est VFX quelque chose. Est-ce que c'est... Moi, j'ai Action VFX. Non, non. Attends, je vais regarder ça. Et alors j'ai VFX Serbia. Je suis en train de chercher ZBrush Training, mais... Alors après, de toute façon, je vais vous mettre le lien des Grayscale Gorilla, parce que quoi qu'il advienne... Ça voilà, c'est artwork-vfx. Ah, d'accord. Ouais, il y a des formations cinéma 4D là-dedans. D'accord. Ça répond aux questions des utilisateurs. Merci. Olivier Huard me dit l'interface de 3D Studio à cette époque. Oulala, C4D était vraiment un vent de fraîcheur. C'est clair. Ouais, parce que c'est quand on est sur de la 3D technique pour des flux cinéma ou autre, c'est très différent. Et puis il y avait pas aussi sur After. Maintenant sur After, il y a un outil pour faire de la 3D. J'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'est Video Copilot qui a lancé ça. Element 3D. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, il n'y avait pas, il y a 10 ans, il n'y avait pas ce truc-là non plus. Donc, si on voulait mettre un peu de 3D dans nos compos After, il fallait forcément passer par un logiciel de 3D. Carrément. Carrément. Tiens, question de LK. Est-ce que le projet From Conception to Completion a beaucoup évolué depuis son début? Parce que tu nous as dit l'église a changé de couleur. Ouais, parce que... attention, on voit les premières images... Est-ce que tu as gardé tous les rendus du début? Alors, j'ai pas gardé tous les rendus, mais ah, voilà, les premiers tests, c'était juste des montagnes. Voilà, c'était les premiers tests comme ça. Après, je plaquais des textures, voilà, les chemins pour voir un peu ce que ça donnait. Après, j'avais essayé, j'étais parti donc en monochrome. Après, j'avais essayé en mettant des éclairages un peu en couleur, genre coucher de soleil, ce genre de choses. D'autres matières totalement différentes, tu vois, une espèce de mousse. Au début, je pensais partir sur du noir et blanc complètement. Et puis après réflexion, je me suis dit, puis voilà, je montrais un petit peu autour de moi, et certains m'ont dit, bah voilà, pour montrer ton savoir-faire et essayer d'appâter des clients, un film en noir et blanc, c'est un peu chaud quand même. Donc j'ai dit oui, c'est pas faux, mais bon, en même temps, c'est voilà, c'est l'identité que je veux donner. Donc petit à petit, je me suis dit bon bah les éléments qui apparaissent, les éléments architecturaux auront des couleurs pour mettre un coup de focus dessus. Donc voilà, là c'était les fameux sphinx et voilà, j'essayais plein de textures différentes, de métal, de doré, là en mettant en couleur totalement. Donc voilà, ça a évolué comme ça et du coup c'était juste les éléments qui parcouraient la carte et passaient totalement en couleur, en texturé et voilà, il y avait juste la vue de fin, le dernier paysage qui lui était totalement coloré, coloré quoi, pour terminer sur la dernière vue. Ah, nickel. Et alors du coup, tout ça, y a Max H qui nous dit « Ne pas savoir dessiner, est-ce un handicap en motion design? Est-ce que ça s'apprend d'ailleurs à dessiner ?» Je pense que ça s'apprend. Moi, je voyais à Penningen, on avait beaucoup de cours de dessin. Y en avait qui étaient ultra doués et d'autres qui débutaient vraiment. Et au final, on s'apercevait que ceux qui étaient méga doués en dessin, ils faisaient pas spécialement, enfin certains ne faisaient pas l'effort persévérer, enfin d'écouter les cours et tout, ils faisaient leur style à eux. Mm-hmm. Ceux qui étaient moins doués, bah, ils écoutaient vraiment les conseils des profs. Et à la fin, bah, il y avait la balance s'inversait. Ils avaient des meilleurs rendus, tu vois. Mmh. Après, je pense que c'est quand même un plus quand tu sais dessiner, ne serait-ce que bah, pour communiquer tes idées, pour si tu veux faire ton storyboard, faire quelques illustres d'ambiance, ça peut être un plus. Après, ça dépend aussi de vers quel motion tu fais. Si c'est des choses plus graphiques, il y aura peut-être moins besoin de dessiner et vraiment s'atteler que au graphisme. Quand tu fais des choses plus illustratives, bon, oui, c'est sûr que le savoir dessiner est un plus, quoi. Être capable de bloquer les formes, être capable de réfléchir. Ce qui compte beaucoup, c'est aussi surtout la composition en fait des plans. Mmh. Que ça soit du graphisme ou un plan, voilà, où tu te balades dans un paysage, c'est être capable de composer son image. Quand tu fais une affiche ou quand tu composes un plan de cinéma, c'est un peu la même chose. Au final, c'est la composition, comment elle tient, comment on va s'orienter le regard. Voilà. Écoute, merci en tout cas pour toutes les précisions. Je pense que c'est apprécié là-dessus dans le chat. Cool, très très bien. Alors après, guide-nous, emmène-nous encore dans tes univers, dans tes projets. Dis-moi ce que je passe après. On peut peut-être voir un projet un peu plus classique. Mmh. Il y avait le Kerastas Fugiodos que je t'ai envoyé. Okay. Et aussi du After et donc en 3D et en After. Mmh. Ça c'est un projet, ça c'est une commande client. Donc là c'est vraiment les projets classiques de motion design. Là l'idée c'était de partir, donc c'était pour promouvoir un produit en fait. Tous les ans ils ont un événement, les journées L'Oréal, où ils présentent leur nouveau produit potentiellement qui va, c'est comme des prototypes si tu veux. Mm-hmm. Et quand tel produit est choisi, bon bah du coup il va être mis en vente, et donc il faut chaque équipe présente un petit film de présentation de ses produits. Donc moi je faisais le produit Fusiodose, on était 4 là-dessus. Donc l'idée c'était de partir sur comme il y a une recherche, c'est des laboratoires qui bossent là-dessus sur ces formules. On partait comme une sorte de tableau noir si tu veux du scientifique, voilà, qui fait ses équations, et puis toutes ces équations se détachent, deviennent les molécules qui sont utilisées dans le produit. Donc, voilà, fallait modéliser certaines molécules en particulier, et elles viennent s'assembler pour former le produit. Et voilà, ensuite il y avait quelques plans qui montraient un peu comment la tête du produit, sachant que ce film il y a 2 versions en fait qui existent, parce que comme je te disais au début, c'était pour un produit proto. Donc entre temps, bah, le design du produit a un peu changé, tu vois, maintenant le bout est rond au début, mais avant c'était plat. Donc voilà, il a fallu, après, comme le film a beaucoup plu dans les équipes, ils voulaient le diffuser sur YouTube, mais il fallait être à jour sur le nouveau design. Donc il a fallu voilà, réouvrir toutes les scènes, remodifier le produit, remodifier le design, enfin la modélisation du produit, et recalculer les scènes, et puis après tout rebalancer dans After. Pas mal, bonne recherche du coup dessus, quoi. Voilà, donc sur le site, j'ai mis 2-3 vidéos de recherche. Donc voilà, des choses un peu en filaire avec des molécules, des trucs un peu techniques. Ça c'était fait sous After avec... hop. Voilà, des choses comme ça. Beaucoup de particulars aussi. Mmh. Ça c'était un test qu'ils avaient beaucoup aimé, avec toutes ces petites particules dorées, et puis le produit qui se forme autour. Il y avait aussi la fameuse goutte à modéliser, donc en plus c'était une goutte qui se diluait dans le liquide. Mmh. Donc ça, j'ai fait appel à un autre freelance qui a fait ça sous 3DS avec un plugin qui s'appelle Krakatoa. Encore du sketch and toon aussi beaucoup pour le tout ce qui était un peu crayonné. Mm-hmm. Voilà les molécules, bon, finalement qui sont passées en noir pour être plus raccord avec les plans suivants. Nice. Bon, et du coup le story de départ quoi, qui le petit story de départ, ouais. C'est beau, c'est beaucoup d'aller-retour justement sur un projet comme ça. Bah, écoute, ça dépend. Si au début en fait, moi ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai le brief, je commence déjà à chercher quelques petites refs, bah, un peu comme mon boulot perso. Si je te montre, donc faire un mood board, voilà. C'était le mood board du projet. C'est de traduire par rapport à ce qui les demandes, de traduire en images certaines sensibilités. Tu vois, l'espèce d'éclat là jaune, ben voilà, c'est typiquement ça, c'est ce qu'on retrouve dans le film, ce genre de choses. Donc ouais, ça va dépendre du si on est juste dès le départ ou si on s'éloigne un peu de ce qui est demandé. Mmh. Il y aura plus ou moins d'aller-retour. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est que comme en 3D, puis après on passe en after, les choses, elles se montent lentement. Et donc, on peut montrer des animatiques, des choses comme ça, mais on voit pas trop encore qu'est-ce que ça va donner réellement. Et c'est toujours un peu dangereux de montrer des choses trop tôt, parce que le client a tendance à dire mais c'est pas du tout ce que je voulais, il faut commencer, et il va demander des modifs sur des choses qui ne sont pas encore finalisées au final. Ouais, du coup tu risques de devoir tourner autour alors que... C'est ça, donc on va commencer à tourner autour sur un plan, puis il y a tout le film qui reste encore à faire derrière. Donc, je pense qu'il faut vraiment trouver le juste milieu et montrer les images de ref, un storyboard, quelques refs, montrer, donc faire des petits tests after, voilà, C4D, voilà, comme ici, pour vraiment dire bah voilà, ça va être comme ça, et puis après peut-être un aller-retour par semaine, parce que là c'était une prod de 1 mois, ça. Mm-hmm. Donc c'était assez long. Une fois qu'on a trouvé le bon échange avec les clients, on déroule le film au fur et à mesure. Et du coup, ouais, cet aller-retour, ça prend quelle forme? Vous envoyez d'abord des PDF du story, il y avait des présentations en live sur place? Ouais, ça a été beaucoup de présentations en live sur place. Mmh. Après, des fois, quand on veut montrer des petites choses, on envoie un PDF ou un lien Vimeo. Mais les présentations en live, on en a fait pas mal. Et puis, ça permet voilà, de voir les gens, de vraiment expliquer ce qu'on veut faire. C'est quand même plus personnel et plus sympa que bon, bah tiens, je t'envoie un PDF et puis tu me dis ce que t'en penses. C'est effectivement plus simple d'être dessus. Il y a Kai qui nous dit il y a quand même de quoi être complexé après tout ça. Et Lydia qui lui répond c'est le principe de Motion Plus Design. Ouais, c'est un peu le risque. On essaye de vous mettre des gens qui font des trucs plutôt cool. Après, ça motive au contraire. Ça motive. Trouvez votre forme, trouvez vos projets, travaillez. Je sais que hier, avant-hier, ça discutait beaucoup justement de comment on se motive pour faire des nouveaux designs, comment on se motive pour faire des nouveaux motions, etc. Et on parlait de motion tober pour ceux qui sont motivés à se donner des petits défis et qui cherchent des briefs. Ça peut être utile là-dessus. Histoire de pas rester sec sur une idée. Alors vas-y, Guy, emmène-nous chez toi. Alors, on peut peut-être voir un autre documentaire. Alors, je te l'ai pas envoyé, mais voilà, comme ça fait écho à la commune. Mm-hmm. C'était, attends, je vais baisser le son. Hop. Donc sur la Révolution française de 1789. Donc ça c'était, je l'avais fait avant la commune. Donc c'est entièrement fait en after. Voilà, c'est aussi un peu la même technique. Donc c'est des gravures de l'époque qui sont utilisés dans After, qui sont découpés pour avoir des plans avec des parallaxes. La différence ici, c'est que voilà, la chaîne voulait qu'il y ait des couleurs, donc il y a eu un système de masques pour coloriser. Pour coloriser tout ça, donner une ambiance. Voilà. Ouais, c'est pas des tableaux colorés au départ, c'était déjà des gravures. C'est ça. Et voilà, après, bah voilà, faire des effets de pyrotechnie, des mises en scène, tu vois, des petites particules, la fumée, les navigations sur les cartes. Mmh. Donc voilà, tu vois, mon film personnel avait tourné parce que on m'a mis aussi d'autres plans de cartes, du coup. C'est ça. Des cartes. Le mec qui fait des cartes, non? C'est ça. Okay. Et tu vois, on peut voir sur le, ça a un peu évolué parce qu'au début, on m'avait dit bon bah mets de la couleur. Donc j'étais vraiment à fond les ballons sur les couleurs. Et là ils ont dit ah non non là c'est trop là, beaucoup trop. Voilà, ça c'était le premier test sur la scène de la Bastille. Donc j'ai pu réutiliser les nuages que j'avais utilisés dans mon film. Mmh. Bien joué. Rien n'est perdu. Quand tu les utilises plus de 3 fois, t'as gagné. Hein. Voilà. C'est ce qu'on a fait avec Gweno hier, où il s'est fait une texture de matière de trame qu'il a réutilisé 15 fois. Il disait là c'est bon, j'ai rentabilisé la recherche et développement. C'est clair. Et voilà, j'étais parti sur des couleurs beaucoup plus flashy, violet, orange, et ils ont préféré aller sur quelque chose de plus doux. Là c'était trop pop quoi. Donc voilà, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus sage. Mais voilà, c'était mon premier travail sur du documentaire. Ouais. Et c'est comme ça que après j'ai enchaîné sur La Commune. Et là je travaille sur un troisième documentaire là, mais avec un illustrateur cette fois. Cool. Qui s'appelle Anthony Carnet. En fait, je l'avais pris en stage au début avec moi et il venait de sortir de l'école. Et puis bah, finalement, il y a eu cette mission qui est tombée. Puis je l'ai branché dessus. Mmh. Je peux peut-être montrer des choses. Bah, écoute, si tu as le droit de montrer des choses, montre-nous des choses. Alors normalement, j'ai le droit. Hein. Hop. Alors on part sur quelque chose de totalement différent, c'est sur l'Andalousie au 9e siècle, c'est des ruines d'une médina du 9e siècle, dont ils sont en train de faire des fouilles en ce moment. Cool. Et alors le passage justement de projets pub à des projets documentaires, c'est cool ça, écoute, c'est assez, c'est plutôt cool parce que c'est complètement autre chose. Mmh. Voilà, tout ce qui est pub, voilà, c'est vraiment le brief client, magnifier le produit, essayer de faire les plans les plus beaux possibles. Là, on est vraiment sur une recherche de documentation en fait historique. Et puis les scènes sont plus longues. Là, il y a à peu près, il y a des scènes filmées, donc ça c'est pas ma partie. Nous, on s'occupe des scènes animées. Il y a 10 minutes de scène à peu près. Donc voilà, il y a toute une partie documentation. On recherche une partie narrative. On raconte l'histoire. Donc on est un petit peu plus quelque part dans le cinéma, quoi. Donc ça, c'était quelques images du story. Tu vois la première... hop. Tac. Ça, attends. Ah, hop. C'est beaucoup avec des effets d'ancrage, en fait, et de particules, mm-hmm. Pour faire apparaître les dessins au fur et à mesure. Alors, il y aura une voix off derrière qui raconte un peu les événements. On va retrouver des cartes encore, bien sûr. Ça reste dans le thème. Et là, du coup, ça veut dire que quand toi, tu as besoin d'une image, c'est Anthony qui la réalise. Exactement, ouais. Mm. Ouais. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que du coup, on a toute la matière, on l'a en plus directement avec des grands formats. J'essaie de trouver une compo... Attends, ça c'est les compos. Voilà. Non, toujours pas. Hop. C'est pas ça non plus. Hop. Et puis tu vois, sur certains plans ça marche pas, parce que tel élément est trop présent ou tel élément est pas assez présent, bon bah hop, je demande à Anthony et on remonifie les illustres en fonction. Voilà, c'était beaucoup de grandes illustrations comme ça, comme des grandes fresques. D'accord, oui. Donc toujours avec un côté très matière, un peu presque fusain si tu veux. Là, on le voit pas sur ce plan, mais sur certains, si on zoome, il y a de la matière de papier. Et voilà, moi, ça va me permettre de faire bouger ma caméra, de découper les éléments pour avoir des parallaxes. Mais il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas d'animation style dessin animé, quoi. On est vraiment sur des c'est du mouvement, des parallaxes avec des premiers plans, second plan, des apparitions, des disparitions d'éléments, quelques mouvements animés, soit des particules ou peut-être des reflets dans l'eau, ce genre de choses. Voilà. Pour l'instant, c'est work in progress. Écoute, ça a l'air très bien avancé en tout cas. Et le fait que vous ayez déjà bossé ensemble et que qu'il ait bossé avec toi en amont, ça fait que lui, il découpe déjà tous ses plans, tous ses Photoshop avant de te les filer pour les animer. Exactement, ouais. Ouais, comme ça, moi, j'ai... tu vois, si je regarde... Hop. Si je prends la séquence 13... Et j'ai... Voilà, tu vois, tout est découpé. J'ai le fond, voilà, la carte, les personnages, les soldats, l'autre partie de l'image, le calife, un autre fond. Donc comme ça, voilà, j'ai tout en PNG, j'ai qu'à importer. Après, on peut toujours tester aussi, je sais qu'on peut importer carrément le PSD dans After, il nous fait les calques tout de suite. Mais on avait remarqué que des fois, il y avait des petites choses de couleur qui n'étaient pas tout à fait pareilles, je ne sais pas pourquoi. Et donc, pour moi, le plus simple, du coup, c'était de récupérer chaque plan par plan, chaque élément PNG. De toute façon, toi, tu les montes. Tu travailles avec une caméra 3D dans After pour gérer tout ça. Ouais. Puisque de toute façon, voilà... Là, c'est composé de cette manière dans Photoshop, mais comme après je travaille avec une caméra 3D, la compo va un peu rebouger, puisque tu vois, les fumées au premier plan, il va falloir que je les grossisse pour vraiment avoir une parallaxe devant soi. Les arbres ici, pareil, il faut qu'ils puissent bouger quand on bouge la caméra. Donc c'est un petit peu recomposé dans After. Et je travaille avec une caméra 3D. Souvent, ce que je fais qui est assez pratique, dans After, c'est que j'ai ma caméra 3D, je fais un objet nul que je relie à la caméra 3D. Ouais. Et en fait, je m'occupe que de l'objet nul, que je le fais bouger dans la 3D et je touche plus à la caméra parce que souvent, comme en plus on est vraiment, tu vois, je suis devant l'image à 90 degrés, des fois je me suis aperçu qu'avec la caméra 3D, quand on bouge dedans, elle change un peu d'angle. Ouais, du coup, tu débules trop vite. C'est ça, donc une fois qu'elle est reliée à un objet nul, bon, bah, c'est lui que je bouge et la caméra, elle bouge pas, elle reste bien à 90 degrés devant l'image, quoi. Les trucs et astuces de gestion de caméra et de gestion de plan d'animation, c'est... Et puis c'est pas toujours facile de travailler justement avec la caméra 3D, donc c'est vrai que quand on a des petits trucs, c'est assez pratique, quoi. Carrément. Carrément, non, c'est vraiment cool. Tiens, je me dis qu'il est presque 11h, ça nous laisse une grosse demi-heure tranquille pour avancer. Je vais vous faire participer dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Behance, pour gagner les places au Motion Plus Design. Donc il y a des places qui seront online chez vous tranquillement, genre vous habitez pas à Paris, vous n'êtes pas dispo samedi, ça sert à rien de prendre les places qui serviront à d'autres, ou alors vous êtes à Paris et vous voulez venir avec nous, et du coup faut choisir, vous pouvez répondre, donc vous écrivez dans le chat Paris ou online. Vous mettez juste Paris ou juste online sur, sur le chat, et comme ça je pourrai savoir, et je ferai un tirage au sort manuel comme hier. On s'améliore au fur et à mesure là-dessus. C'est le moment de jouer. Alors vas-y, on repart sur toi, Jean. Eh ben, on peut enchaîner sur un autre boulot perso, et puis après on fera un peu de technique. Yes. Du coup, alors un truc totalement différent, un projet personnel en ce moment, hop, qui est un projet de jeu vidéo, voilà, entièrement dessiné. Comme justement ce que je disais tout à l'heure, quand j'avais pris Anthony en stage, en fait, je l'avais mis sur ce boulot-là. Et donc voilà, ça c'est un projet perso que je développe là en ce moment avec un pote à moi qui lui s'occupe du code, de la conception, et moi je m'occupe aussi de tout ce qui est scénario, game design et la partie graphisme. Donc voilà, c'est un projet qui nous tenait à cœur parce qu'on est joueur, et on avait envie de se lancer un peu dans dedans aussi pour voir qu'est-ce que ça donne quand on passe de l'autre côté. Donc voilà, tout est fait sous Unity. Donc c'est un jeu entièrement en 2D dans un univers sous-marin. On dirige ce petit sous-marin, un jeu d'aventure et d'exploration. Je peux faire... Alors, est-ce que je peux lancer... Hop. Tac. Voilà. Hop. Le batiscaf. J'ai la manette. Ne marche pas. Hop. Et voilà, un peu la même technique que dans les documentaires, c'est-à-dire que on a les premiers plans qui bougent, second plan derrière, avec un système de parallaxe, des petites particules qui sortent du bâtisse. On peut allumer sa lumière. Et voilà, dès qu'on se tape, on commence à prendre des chocs. Il y a notre jauge d'oxygène à gérer. Suivre, on était obligé de remonter de temps en temps. C'est ça. Ou alors, soit on remonte, ou alors on a des petites algues rouges à choper, qui nous redonnent un petit peu d'oxygène. Et on a aussi un profondimètre qui nous indique une jauge limite en fait à ne pas dépasser, sinon on se fait écraser par la pression de l'eau. Et en récoltant différentes ressources, on va pouvoir justement améliorer le batiscaf et pouvoir rester plus longtemps, pouvoir descendre plus loin dans les profondeurs. Voilà, donc on a déposé un... Parce que là, pour l'instant, voilà, on fait ça sur notre temps libre, hein, beaucoup de projets perso. Et on a déposé un dossier... au CNC, parce que faut savoir que maintenant le CNC, donc il finançait tout ce qui était cinéma, court-métrage, et maintenant il finance beaucoup aussi, il commence à financer les jeux vidéo indépendants. Donc, on a déposé un dossier de financement au CNC, donc on devrait avoir les résultats sous peu. On attend un peu les... Ah, je suis mort, d'asphyxie. On va avoir les résultats si on a une première partie de financement, et après l'idée c'est de commencer à aller voir des éditeurs pour pouvoir démarcher, pour pouvoir diffuser le jeu, parce que c'est encore un... Là c'est à l'état de... Ouais. Là c'est à l'état de prototype, et voilà, dès qu'on trouve un éditeur qui pourra nous financer, ben on se lance dedans, et puis on commence à travailler à fond. Tac, on peut lancer des petites balises aussi pour s'éclairer ou marquer son chemin. Trop bien. Et alors du coup, toi là-dessus, tu fais toute la partie illustration, c'est ça. Ouais. En fait, donc tout, voilà, tu vois, tout est dessiné dans Photoshop. Hop. Il y a des effets animés que je fais dans After, parce que comme je connais After, donc autant l'utiliser. Et après, je le sors en séquence PNG, et je le réimporte dans Unity. Hop. Donc, par exemple, Alors, à savoir aussi, c'est un exercice assez particulier parce qu'il faut se faire des assets, c'est-à-dire que on peut pas faire une illustration plein pot et hop, on la balance dans le jeu. Voilà, faut essayer de découper élément par élément. Mm-hmm. De manière à après pouvoir personnaliser les décors au fur et à mesure et pouvoir les réutiliser. Donc voilà, ça c'était une épave de bateau et tu vois tout ce qui était les bouts d'algues, les trous dans la coque et tout, c'est sur des calcapars, les mâts aussi. Ça me permet du coup de replacer si je veux refaire une autre épave qui sera différente. Tu veux varier, varier du coup c'est quoi? C'est des trucs programmés ou c'est des trucs aléatoires? Non, c'est programmé à l'avance, là il n'y a pas d'aléatoire. Voilà, tu vois quelques roches. Donc après c'est composé, le level design est composé directement dans Unity, mais voilà, ça permet de pouvoir varier les intérieurs, les paysages en découpant calque par calque les éléments. Tu vois, ils sont flous, ça c'est pour gagner aussi de la mémoire. Parce qu'on pourrait, il y a de la post-prod qu'on peut faire directement dans le logiciel, mais là mes premiers plans, je les floute déjà automatiquement, et comme ça permet d'alléger, alléger le jeu, et ensuite tout est installé au fur et à mesure. Voilà, on peut voir toute la carte. Yes. Et là, on descend. Ça fait un beau boulot là-dessus aussi. On descend dans les abysses. Alors, on commence à avoir des squelettes de cétacés, des choses comme ça. Pour ta demande de subvention, il y a Caroline et Atia qui nous dit bon courage pour le CNC. Merci. Je pense qu'elle est passée par là et qu'elle voit très bien tout ce que ça peut recouvrir. Il n'y a plus qu'à. Une fois que c'est lancé, normalement, c'est bon. Et puis, alors, on a. Comme je bosse sur After, on en a profité aussi pour faire des petites cutscenes. Je cherche. Ça c'est la fin. Hop. Voilà, des petites intros animées comme ça, montées dans After. Histoire de vendre un peu le projet aussi à côté, ou c'est juste non, les ça fait partie du jeu, c'est les scènes d'intro et ça c'est la outro. Et voilà, tout ça c'est fait sous After en fait. Donc, tu vois, c'est il y a de la déformation là sur la vague. Voilà les petites gouttes d'écume sur un calcapar, une petite ombre qui descend quand la vague s'abat sur le bathyscaphe. Et ça permet de mettre tout ça en vie, de donner, voilà. Et puis de lier les différentes scènes. Exactement. Ouais, c'est super chouette. Mais tu vois, encore une fois, voilà, il y avait une grosse recherche graphique. Ça reste quand même le truc ultra important. De bien définir ces univers pour vraiment voir vers quoi on tend, quoi. Ça, c'est des images de Waterworld, le film. Ça date aussi, ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais commencé à faire des mock-ups aussi. Ça, c'était les premiers rendus. Ça, c'est l'extérieur, c'est la cabane. Moi, tu vois, donc, tout est découpé comme ça. Ça me permet après de varier. Si je veux mettre une autre structure avec une autre fenêtre, un toit un peu différent, le Cara Design. Alors, c'est marrant, en fait, que du coup, tu te colles à l'illustration, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt... c'était un peu délégué dans tes projets. Oui, mais après j'ai toujours dessiné, donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie, donc j'ai ressorti la palette graphique, j'ai commencé à me pencher sur les brushes de Photoshop, parce que je n'utilisais pas spécialement, c'était vraiment beaucoup 3D motion. Mm-hmm. Et puis, bah, comme voilà, là, un projet perso à la base, c'est fait aussi pour se faire plaisir. Donc, je me suis dit, bah, écoute, autant y aller. Et puis, tu vois, il y a quelques petites animes faits à la main. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais fait un bathyscaphe au début. L'idée venait de... qu'on s'est dit, bah, ça sera facile à animer, quoi. Il y a juste une petite hélice à faire tourner et puis on est parti, quoi. Bon, après, on n'avait pas pensé que derrière, il fallait animer la faune, les poissons et tout ça. J'ai une bonne idée, mais tu te rends pas compte de ce que ça veut dire derrière, hein, tout ce qu'il va falloir faire. Je suis en train de faire défiler le proto de jeu que tu m'avais passé avec le gameplay, ouais, pour qu'on découvre un petit peu aussi à quoi ça ressemble une fois que c'est... Une fois que tout est organisé. Et là, du coup, dans ce proto, c'est vraiment, c'est que du gameplay et c'est que un petit montage de l'interface. T'as pas refait des séances exprès, t'as pas retriché à faire tout sur After. Non, là, c'est vraiment des captures d'écran du gameplay que j'ai monté après dans After. Il n'y a pas de triche. Mais voilà, par contre, tous les effets animés, il y en a beaucoup qui sont faits dans After, style quand on touche des méduses, elles émettent des éclairs. Bon, bah, cet effet, il est fait dans After, par exemple. Ouais, mais il est précalculé. Et après, voilà, c'est précalculé. C'est une série ensuite, c'est sorti en PNG et puis c'est réintégré. Ou quand on est à fleur d'eau sur la cabane, pareil, l'effet de vague sur l'eau, c'est aussi animé dans After. J'ai déformé l'eau et après c'est rendu dans After et c'est réintégré dans Unity. Après, il y a beaucoup d'effets qui ressemblent, tu vois, tout ce qui est particules, parce que j'ai mis des effets de bulles, il y a des effets de pluie, des choses comme ça. Et au final, c'est toujours un peu les mêmes réglages. On retrouve des choses identiques dans Particular, dans After Effects. Donc, c'est pas, on n'est pas totalement dépaysé, quoi. Heureusement. Voilà. Heureusement qu'il y a quand même une filiation là-dessus, et puis que toi, tu arrives à retrouver une continuité, que tout ce que tu as déjà fait, c'est jamais perdu, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que en fait, quand tu bosses, tout ce que tu as fait, c'est ton magazine, ton expérience, et que ça soit de l'affiche, du motion, du graphisme, tu arrives après à le retraduire de différentes manières. Bon, bah là, c'est sur un jeu, donc, mais tout ce qui est rythme d'animation, composition, voilà, ça ressort tout le temps de toute façon, donc c'est jamais perdu, quoi. C'est trop cool, hein, c'est trop cool, et je suis pas le seul à le penser. Dorian Gauthier nous dit hyper sympa à l'outro, j'adore. Et Loris nous dit c'est bien sympa de voir une application du motion autour du jeu vidéo. En plus, ce qui est vraiment sympa, c'est que là on est en temps réel, donc ce qui est toujours un petit peu dommage quand tu fais du CKD ou de l'after, c'est que voilà, tu fais tous tes effets. Après, il faut lancer un rendu. Des fois, ça prend plus ou moins de temps. Là, on a l'application tout de suite. On fait tel effet, on clique play, ça marche. On peut modifier parce qu'on peut faire aussi de la post-prod sur les couleurs, des choses comme ça. Tu peux le faire en temps réel. Donc, c'est assez grisant aussi de pouvoir faire des modifs tout de suite sans passer par ce temps de rendu. Oui, ça, c'est pas mal. Ouais. Effectivement. Nice. Alors vas-y, il nous reste une petite dizaine de minutes tranquille, un petit quart d'heure. Tiens, je vais vous donner les résultats du tirage au sort. Vous avez été une petite quinzaine à demander le online et vous étiez vraiment pas très nombreux sur le à Paris. Et donc, le gagnant du online, ce sera Emery Coudet. Et le gagnant de Paris, ce sera... Joël Pitrel, qui sera avec nous ce samedi. Donc bravo Aymeric, bravo Joël. Joël, on se retrouve samedi. Et puis Aymeric, je sais pas s'il y a un chat pendant la session, mais on se retrouvera là-bas aussi. Alors vas-y, on est sur ton écran. Eh ben, on peut peut-être... parce que je sais que certains voulaient voir un petit peu de technique. Ouais. Hop. Alors bon, certaines scènes risquent un peu de ramer parce qu'il y a des trucs assez lourds en plus. Sur certains tafs, c'était en 4K, donc des fois c'est un peu long. Hop. Tac. Et pour répondre à Loris qui me dit est-ce que j'ai déjà reçu un invité ou une masterclass illustration 3D artiste sur du jeu vidéo? Oui, on en a fait régulièrement, on organise les Art and Talk avec IAMAG et on a beaucoup de concept artistes, donc il y en a pas mal qui sont autour du jeu vidéo. Donc c'est à chercher là-dedans. Hop, voilà. Je vais peut-être fermer d'autres trucs. Hop. Voilà. Et alors, est-ce que ça te fait comme à tous les motion designers que j'ai reçus cette semaine, de partager un écran qui du coup est beaucoup plus petit que celui que tu as d'habitude sous les yeux pour bosser? Est-ce que tu survis? Ouais, ça va aller. Alors voilà, ça c'est la scène d'intro de la commune, avec l'incendie de l'hôtel de ville. Mmh. Attends, je vais peut-être passer en... Ouais. Je vais diminuer la résolution parce que ça va ramer. Voilà, là je suis bien... Donc voilà ce que je disais, tu vois, du coup j'ai ma caméra, j'ai un nul qui est lié à la caméra et qui fait mon chemin en fait, tout simplement. Et donc les effets de flamme, ça avait été animé. Il y a à la fois des footage et à la fois des flammes animées à la main. Mmh. Et si on voulait voir les fumées, alors où est-ce qu'elles se cachent? La fumée. Ouais. En fait, l'idée c'est d'avoir la même. Alors, la technique ne marche que si on ne voit pas le. Enfin, il faut que la fumée soit. Ça... Ouais, voilà. Donc, c'est un peu inspiré en fait de techniques de jeux vidéo au final. Hein. Mmh. Si j'en mets qu'un seul, voilà. Hop. Voilà, donc j'ai découpé juste un petit nuage. Et voilà, il apparaît comme ça, il tourne en même temps légèrement et il monte. Et après, je le duplique, je mets d'autres nuages un peu différemment. Mmh. Et hop. L'idée étant que l'utilisateur ne voit pas le rythme et la régularité des éléments. C'est ça. Mmh. Et comme ça, tu vois, si on cadre, donc on est cadré très serré, bon, bah, on a cette fumée qui monte petit à petit, qui grossit. Ça marche. Trop mignon. Alors tu sais que, tu sais peut-être pas encore, sur la bêta d'After Effects qui est dispo dans votre appli Creative Cloud, ils viennent de rajouter le multi-thread rendering ou le multiple frame rendering, et du coup After, si on a une carte graphique suffisante, il précalcule pour toi les frames. Voilà, ce qui fait que quand tu fais play, ça joue à vitesse réelle. D'accord. C'était pas un truc qui était demandé depuis des années, ça? Ça arrive. Eh ben, je pourrais montrer aussi ce que je fais pour avoir des rendus plus rapides. Je vais montrer ça après. Donc voilà une autre plan. Donc pareil, même idée. On a donc toujours... attends, parce que là c'est un peu vénère quand même. Hop. Ah, donc on a toujours cette technique des fumées qui montent. Mmh. Ici, on avait du particular pour avoir les braises par-dessus. Un petit peu de distorsion dans le fond pour voilà, traduire la chaleur en fait qui est diffusée dans le fond des bâtiments. Et puis voilà, le canon avec le mur, il est découpé. Derrière, c'est un autre plan. Et voilà, on se balade comme ça tranquillement. Il faut que les plans en 3D, les calques 3D soient suffisamment loin pour que quand on se balade, on ait cet effet de scrolling, de parallaxe qui soit assez sympa. Il y a eu aussi un gros travail sur Photoshop parce que il fallait corriger, tu vois, certaines gravures parce qu'il y avait des petits trucs qui avaient sauté, il fallait remettre un petit coup de tampon sur certaines, contraster aussi pas mal, t'en avais qui étaient à moitié effacées parce que c'est quand même des gravures assez anciennes. Mm-hmm. Donc il y a eu un énorme travail de retravail sur les gravures sous Photoshop, et puis après on balançait dans After. Je vais en ouvrir une autre. C'est une séquence qui était assez sympa avec de la neige. Je crois que c'est la 17. Alors, attends. Voilà. Tu m'avais balancé la 17, tu veux que je la montre en direct? Peut-être ce sera pas mal. Ce sera peut-être plus parlant. Ouais. Hop, il neige. Puis comme ça, après, on pourra repasser sur ton écran pour la... Pour la disséquer. D'accord, oui, et du coup, tu fais du particular, mais tu fais pas juste des ronds ou des carrés, tu fais vraiment des flocons de neige. Ouais, là, c'est des petits flocons de neige. Ça marchait assez bien sur ça. Je trouvais que, tu vois, juste en mettant des flocons de neige en blanc bien pétant avec du particular, tout de suite, là, on est dans l'ambiance. C'est le film de Noël. À fond. Ouais, c'est chouette. Ça marche très très bien. Alors vas-y, montre-nous la structure. Voilà, là, ce plan-là était assez simple parce que là, les objets étaient assez rapprochés, donc là, il n'y avait pas de parallaxe. Il y a juste une seule illustration donc, qui est derrière. Tu vois, il y avait déjà des petits flocons de neige sur la gravure d'origine. Flocons qu'il fallait effacer parce que sinon ça aurait été bizarre d'avoir de la neige qui tombe et puis des flocons qui bougent pas. Et par-dessus le particular. Attends, si je mets un fond noir dessus. Un fond noir, ouais, ce sera plus sympa. Sinon on voit rien du tout. Tac. Voilà. Parce que ce qui est pas mal en plus, c'est que ça prend la notion de 3D. Donc, comme il y a justement une caméra 3D, voilà, on a bien les premiers flocons au premier plan qui bougent rapidement et ceux du fond qui sont plus lents. Mm-hmm. Ouais, ça marche tellement bien. Ce soir, je suis au rempart avec mon bataillon. Nous ne céderons pas. Voilà, des petites choses comme ça. Il y avait. À la fin de la 17, il y a une séquence avec des explosions. Attends, je vais essayer de trouver la fin de la 17. Oh, on doit s'en approcher, hein. Là je suis à 1 minute du... Je suis à 1 minute du rendu. On l'a peut-être vu en arrière-plan déjà. Parce que je l'ai gardé en lointain arrière-plan, histoire d'avoir de la jolie gravure. Vas-y, montre donc comment ça passe. Voilà, donc là, ce sont des obus sur Paris. Donc c'est les Prussiens qui attaquent Paris. Et donc pareil, on a du particular. Je vais mettre un fond noir. Hop. Et donc là, c'était pas les flocons de neige, c'était les braises. Voilà. Tac. Ouais. Et ça fait toujours son petit effet aussi. Hein. Ça marche vachement bien ça. Parce que voilà, il fallait traduire le feu. Là en l'occurrence, il n'y avait pas de feu, c'était des explosions, mais on n'allait pas faire une explosion animée image par image. Donc voilà, je trouvais que mettre des petites braises qui s'envolent, c'était facile à faire et voilà, tout de suite ça. Ça illustre bien le propos, quoi. Ouais, et puis ça donne vraiment un aspect vivant, ça permet de ne pas rester sur le... alors j'allais dire le simple parallaxe, mais c'est déjà un beau boulot, justement, d'animer ces caméras et de faire comprendre l'ensemble du lieu, de la vie autour, quoi. C'est vraiment chouette. C'est ça. Et on peut regarder aussi la... Attends, je vais dire... la 75 aussi, il y a un truc sympa. Alors, je vais lancer la 75. Tac. Paris brûle-t-il? Un peu. Paris a pas mal brûlé déjà. Il a pas mal été détruit. Ah bah, moi, ce sujet-là, je connaissais pas trop parce que c'est pas une révolution auquel on parle beaucoup. Et c'est vrai que quand on voit les gravures et les photos d'archives, il y a des monuments qui sont ravagés. Quoi. Mmh. Là où a brûlé le fameux palais des Tuileries totalement. D'ailleurs, les documentaires, ouais, tu disais qu'on pourrait les voir en intégralité. Il y a un théâtre, un cinéma dans le 20e, c'est ça hein? Alors, je me suis trompé. En fait, c'est à 20h, donc dimanche 18 à Belleville. Ah, c'est à Belleville, ok. C'est à Belleville, c'est un cinéma en extérieur. À mon avis, il doit y avoir les renseignements à la mairie de l'arrondissement. Regardez ça. Oui, parce que ils sont plus diffusés, même en replay. Ouais. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est l'occasion. En plus de les voir en grand écran, c'est plutôt cool. C'est dimanche 19 septembre. En plein air, dans l'amphithéâtre du parc de Belleville. La fabrique documentaire.fr. C'est là que tu vas? Ouais. Ouais. Intervention des damnés de la commune, nanana, entrée par la rue des Envierges. Passe sanitaire, entrée gratuite. Parfait, c'est noté. C'est noté, je vous mets, pour ceux qui veulent le voir en grand. Et allez, on retourne sur ton After Effects. Alors ici, il y avait un truc un peu sympa. C'est un bâtiment qui s'effondre, place de la Bastille, voilà, ici. Donc c'est qu'en 75. L'immeuble s'écroule à l'angle du boulevard Richard Lenoir. Hop. Donc là, voilà, pareil, j'allais pas illustrer le bâtiment qui s'effondre image par image. Mmh. Donc je suis resté encore sur des particules. Voilà, donc je suis parti d'un rectangle blanc et ensuite je vais coller un particule système qui permettait, si tu veux, de le décomposer en particules qui tombent doucement. Et juste en cutant, donc toute cette partie-là, on la voit pas, si tu veux, je cut au moment où les particules tombent. Et donc ça, on voit juste la poussière qui tombe après l'effondrement du bâtiment. Et voilà, comme on anime des gravures, tous ces effets-là, c'est toujours souvent des formes blanches assez fortes qui s'intègrent totalement au dessin d'origine. Ouais, qui vont permettre de révéler le papier là où la gravure aurait laissé l'encre. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est marrant justement d'avoir ça. Le travail du noir et blanc. Et du coup, c'est sur celui-là hein, où tu n'avais pas du tout le droit d'utiliser de flou et de... Exactement, ouais. Là, c'est vraiment... là, il n'y a aucun flou, du coup, c'est... Tout est parfaitement net. Mmh. Alors voilà, des fois, il fallait aussi, sur ce problème de moirage, certains ciels ont été interchangés, tu vois. Ouais. On n'a pas toujours gardé les ciels d'origine des gravures. Là, j'ai découpé le bâtiment du fond et on faisait le test. Le ciel de derrière n'allait pas, il y avait trop de moirage. Donc, on avait une banque de ciel qu'on testait. Si je l'anime. Nous croisons un petit groupe de fédérés très excités. C'est magique tout ça. Ah, donc comme ça j'ai juste la poussière du bâtiment et puis j'anime légèrement les fumées qui s'élèvent juste en les déformant et en faisant disparaître petit à petit quoi. Bah écoute, moi je suis assez bluffé sur ce rendu là. Visiblement ça plaît beaucoup dans le chat. Jamila nous dit que c'était super. Tiens, une question de Lydia que j'avais pas vu passer, c'est le moment des dernières questions, jeunes gens. Sur quel type de machine tu travailles, toi? Ordinateur fixe, ordinateur portable? Ordinateur fixe, je travaille sur une tour PC, avec des néons fluo. Ça, c'est les miens, hein. Des ventilateurs fluo. Est-ce que tu as le clavier en couleur? Non, c'est un clavier Mac. Disons qu'au début, je travaillais sur PC, après je suis parti sur Mac parce que la plupart des agences de com bossaient sur Mac. Et puis finalement, en travaillant beaucoup sur 3D, je suis repassé au PC, c'était quand même plus pratique, moins cher, et voilà, ça permet de se faire quand même, d'avoir beaucoup de puissance à moindre prix. Donc c'était plus pratique pour moi. Nice. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, je suis très content de pouvoir voir ça et que tu puisses partager tout ça avec nous. Tiens, pour terminer, je vais nous remettre ton showreel en arrière-plan pendant qu'on discute tranquillement parce qu'il est chouette et qu'il s'y passe plein de choses. Donc c'était une session d'1h30 avec Jean Ledieu. C'était tout un tour. Pour ceux qui arrivent, mais genre vraiment en retard, et vous avez raté l'1h30, vous voulez voir de quoi on a parlé pendant 1h, c'est ici. Delphine nous dit c'était vraiment passionnant et bluffant. Jean est une sorte de virtuose du motion design. Genre, si. On est fort en commentaire ici, moi j'aime bien. On s'est trouvé les bons mots. C'est très cool d'avoir pu participer à ça, donc en attendant Motion Plus Design. Il nous reste encore une session sur le sujet qui aura lieu donc demain matin. Cet après-midi, moi je serai avec Léa Chassagne pour parler collage dans Photoshop. Ça nous permettra de faire une transition, parce qu'on a fait beaucoup de motion cette semaine, hein, il y a encore plein de choses à voir. Joël nous dit le bien nommé, il est trop fort, c'était super cool et intéressant, merci, c'était superbe. Ben, merci à tous en tout cas dans le chat, parce que vous avez été vraiment sympathiques et vraiment intéressés avec nous, donc ça nous aide bien là-dedans. Et vous pouvez regarder tout ce qu'on a passé jusqu'à présent en replay. C'est disponible donc sur la chaîne YouTube Adobe France et sur Behance. C'est en dessous de vos sessions. Bravo à ceux qui ont gagné des places encore aujourd'hui, Joël et Aymeric. Bravo à ceux qui ont gagné des places hier et avant-hier. On se retrouve donc à 14h. Mais d'ici là, à très bientôt, Jean. Bonne fin de journée, et je pense que je vais vous laisser tous sur la petite bande-annonce de Motion Paris. Bye bye. Ciao.